Bonjour et bienvenue, Outre-Monde 71-80 aujourd'hui. C'est parti. Alors, j'avais déjà lancé l'enregistrement et tout ça, mais après j'ai été un peu occupé en fait. On va dire qu'il y a eu un imprévu. Donc je suis tout simplement sorti. Par contre, du coup, j'ai utilisé la pièce qu'on avait récupérée la dernière fois. Donc j'ai mis un... Donc on a 5-5 dans l'objet de niveau élevé. Butin d'objet de niveau élevé. On a un point dans butin éthéré. Mais je me suis dit, c'est peut-être pas vraiment très très utile, honnêtement. On va peut-être continuer à prendre le modificateur de valeur de butin plus. Comme ça, on pourra augmenter plus facilement les niveaux de notre équipement. Et puis ça ne demande pas beaucoup de lapis, honnêtement. Donc voilà. Donc voilà. Et hop là. On est parti. On va faire ça. Très bien. Nous sommes partis pour de nouvelles aventures. Donc apparemment les niveaux sont fixes. J'imagine que les boss aussi sont possiblement fixes, parce que j'ai fait exactement le même niveau tout à l'heure, avant de ressortir. Et j'ai remarqué un truc drôle, alors vous allez me dire si ça vous... Regardez quand il attaque. Bon, peut-être pas avec ça, mais... Genre, normalement, quand il s'énerve un peu... Vous voyez, quand il fait des grosses attaques, il devient en pierre, en fait. Il se change en pierre. Vous voyez ? Et sur le coup, pour les fans de Metal Gear Solid, ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle quoi? Ah. Ça vous rappelle pas une personne qui était là à dire « Nano Machine, son ». Et ouais, moi ça me rappelle énormément Armstrong de Metal Gear Solid Revengeance. Oups, c'est par là. Ça me rappelle ça, moi, personnellement. Je dois même la voir, le son. Nano Machine, son. Voilà. Attends, c'est qui m'a vu? Ah, c'est toi. Ça me rappelle ça. Ah, mais... Ah, d'accord. L'autre, il vient par derrière, comme ça. Ok. Metal Gear Solid Revengeance hein, qui... Non, Metal Gear... Metal Gear... Rising, pardon. Metal Gear Rising Revengeance. Ah, c'est ça le titre. Jeu mythique, hein, honnêtement. Jeu vraiment mythique. Qui... Je pense honnêtement qu'il sera jamais genre vieux ou alors démodé, tout ça. Ça parle un peu de politique et tout ça. Il y a plein de choses intéressantes. Il y a beaucoup de mimes aussi dedans. Mais vraiment, vraiment, vraiment très très bon jeu. Je le conseille si vous avez jamais joué. Le jeu a l'air, comment dire, quand on le regarde depuis l'extérieur sans avoir touché, sans avoir écouté un peu l'histoire et les personnages, le jeu a l'air d'être plutôt genre comique, bête. Et bête, voilà, tout simplement. Et en fait, pas du tout. Il y a tellement de trucs intéressants qui est dit dedans. Et il est vraiment, vraiment fun. Et le gameplay est super bien aussi. Le gameplay est très, très, très bien. Qu'est-ce qui vient de se passer? Quelqu'un peut m'expliquer ce qui vient de se passer? On vient de se faire grab en fait, parce qu'on avait plus, on était à court de qui? Bon, allez, on va se concentrer deux secondes. On va se concentrer deux secondes. On va passer par là. On va chercher les Kodama. Là, il y a un Kodama. Très bien, parfait. Loupé. Hop, j'ai couru au milieu de tout le monde. Voilà. Ah bah des fois, hein. Des fois faut un peu s'énerver, hein.
Je sais, il y a un coffre, mais... J'ai pas envie de faire des émotes, j'ai pas envie de combattre le coffre. Donc, on y va. On y va. Là, on a Hanzo. On a rien d'intéressant. Allez, Hanzo, on y va. Balance des bombes. Yokuzo. Balance plein de bombes, ok? C'est ton but. C'est ton rôle, c'est de balancer des bombes. C'est honnêtement faire rien d'autre. C'est toi. Ça va, t'as déjà plus de ki, c'est bien. Pas eu le temps. Tu fais mal quand tu fais ta toupie à la con quand même, hein, je veux pas dire, mais... Tu fais quand même bien mal. Hein. Ouais, celle-là. Non, non. tu peux essayer de l'esquiver la première fois, hein, t'inquiète pas, je peux le faire plein de fois. Ah mon dieu, putain les dégâts, c'est abusé quoi. Mais c'est vraiment que de ça en plus. Après le reste c'est normal quoi. T'inquiète pas de toute façon, honnêtement, rien à faire, j'ai rien à faire de toi, je m'inquiétais pas du tout, tout va bien, t'inquiète pas. Oh là 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 là. Premier niveau passé, c'est parti, on continue. Ouh, bien 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 rouge. Ah tiens, il est différent celui-là je pense, non ? De celui-là qu'on a, on a fait dernièrement. Je me rappelle pas avoir un mec là devant le tambour là comme ça. Et puis je me rappelle pas de le voir aussi rouge. On va voir si c'est exactement... Oh non, il y a le même monstre, il y a le même coffre. Non, c'est peut-être la même chose. Ouais, le Kodama il est là. Ouais, non, non, c'est pareil. Non, j'ai rien. Je me suis dit peut-être qu'il y aurait des variantes. Avec le chat ici. Peut-être qu'il y aurait des variantes de niveau comme ça. De niveau d'outre-monde, mais apparemment non. J'ai trop... Pardon. Trop rêvé. Ça aurait été bien. Ça aurait été bien. Il y a encore un peu fait. Hop là, très bien. On pourrait faire ça à chaque fois, honnêtement. Comme j'ai dit, des fois je le fais, des fois je le fais pas. Je voudrais bien finir donc les 100 et quelques niveaux. Comme j'ai dit, c'est vraiment... Ah là ! Trop drôle. J'aimerais bien finir les niveaux. Non, on va le garder. Comme ça, je peux changer de jeu, honnêtement. Enfin, c'est pas que je fais que du Nioh, mais... J'aime pas trop changer de jeu, personnellement. C'est pour ça que des fois, je reste longtemps sur un nouveau jeu. J'aime pas, genre, sauter d'un jeu à l'autre. Ça c'est un truc que j'aime vraiment pas faire. Ah, Yoshitsune. Du coup, j'ai vraiment envie de finir les abysses. Comme ça, je peux un peu lever la main. Sur Nioh 2. Lever le pied plutôt. Non, mon dieu. Ah.
Ça c'est con que j'étais pas tombé de l'autre côté, hein. T'aurais pris vraiment très cher. J'avais tapé dans le dos. Oh yes, on est dans le dos. Voilà, un petit 20 000 comme ça, c'est pas mal. Même lui mettre là. Ah merde, c'est tout autour. Même lui mettre la corruption, c'est compliqué. Ouais, c'est bon. Ouais, très bien. Merci maman. Merci. Merci de m'avoir aidé contre le méchant monsieur pigeon. Merci. Il y a plein de trucs que j'ai envie de finir. Il faudrait que je finisse d'éditer. J'ai encore des morceaux de vidéo à éditer de Front Mission 3, jeu sur PlayStation. Je sais pas pourquoi je me suis. En fait, ça fait plusieurs années déjà que je. C'est un peu comme Parasite Eve 2. Genre Parasite Eve 2, j'aime bien le refaire et tout chaque année, comme vous l'avez sûrement vu. Ouais, qu'est-ce qu'on a, on l'a tué, elle est bleue. Ouais, elle est bleue. J'aime bien le refaire chaque année. Mais Parasite Eve 2, ça va, c'est pas trop long. C'est très, on va dire, Resident Evil par rapport au déroulement de l'histoire et tout ça, donc c'est assez simple, même pour ceux qui connaissent pas du tout le jeu, de prendre en cours et de comprendre l'histoire et tout ça. Donc ça, c'est facile. Et après, bon, bien sûr, il y a des gens qui aiment et qui aiment bien regarder, même si c'est un vieux jeu. Par contre, Front Mission 3, le problème déjà, c'est qu'il a jamais eu une traduction française, donc c'est que en anglais, c'est strictement que en anglais. Par contre, c'est un des meilleurs jeux méca stratégie qui peut exister, même à ce jour, honnêtement. Et je l'ai expliqué vraiment pendant les vidéos pourquoi ce jeu est vraiment unique comparé à tout le reste, en fait. Elle met du temps à crever. Hein. C'est 4 coups? Non, 3 coups. Mais je me perds. Tout ça pour dire que, du coup, en fait, c'est un peu plus compliqué pour faire une vidéo dessus, parce qu'il faut, en même temps que je traduise et que j'explique l'histoire et tout ça, faut pas que je dise de bêtises et tout. Ça fait déjà plusieurs années que je voulais partager en fait ce jeu, parce que moi ce que je veux faire tout ça sur, enfin tout simplement sur ma chaîne, c'est partager les choses que j'aime, ça a toujours été comme ça, et il m'a aggro le truc. Et c'est tout. Mais c'est compliqué. Et du coup j'ai trouvé ce système, enfin on va dire cette sorte d'emploi du temps par rapport aux vidéos, ce thème à faire, ce schéma en fait de vidéo. Où elles sont extrêmement éditées, ça veut dire que bon, il y a les combats, ils sont pas édités. Par contre, tout ce qui est conversation et tout, vu qu'il n'y a pas de voix et tout, et que c'est tout en anglais, à chaque fois je fais des résumés avec les petites animations du jeu, c'est-à-dire genre voir les profils, les images de profil de personnages et tout ça. Oh waouh, l'autre qui gueule. Avec les différents lieux dans le jeu et tout ça, et bon, ça met énormément de temps à éditer parce qu'il faut tout que je découpe, que je passe par Photoshop, après que je rajoute ça sur Vegas pour faire la vidéo, mais ça me plaît énormément de faire ça, et du coup je pense que aussi niveau vue, même si vous pigez strictement rien de l'anglais, c'est pas très grave parce que j'explique en fait toute l'histoire, je traduis toute l'histoire,
Je vais même utiliser le Wikipédia pour avoir des cartes et tout ça, pour vraiment essayer de faire simple, vous voyez ce que je veux dire? Pour quelqu'un qui connaît pas, j'ai essayé vraiment de me mettre à la place de quelqu'un qui connaissait pas du tout le jeu et qui pigeait aussi rien à l'anglais par exemple, pour vraiment voir si ça pouvait plaire, et je pense que je pour apprendre l'histoire et tout ça, et pour le gameplay, je pense que j'ai bien fait, je suis assez content de ça. Mais merde, je me suis trompé de magie Omnio vu que je parlais. Quoi? Tu viens de me passer à travers? Ok. Il m'a loupé ou quoi? J'ai même pas bougé, il m'a loupé, j'ai l'impression. Et du coup, je suis assez content du résultat des vidéos. Je les trouve d'assez bonne qualité. C'est pas genre vulgaire let's play et tout ça, vu qu'elles sont éditées. Donc je trouve que la... Voilà, je suis assez fier de moi, de ma qualité. Et il n'y a pas de let's play, rien du tout, je crois, sur Frank Mission 3, qui est en français. Je crois bien. Donc ça va, je suis assez content de ça aussi. Et pas de Kodama là. Il est où le Kodama? Il y en a un là. Il y en a un là. On va faire celui-là. Je sais qu'il y en avait un en dessous, je crois, dans la tour. On va faire là. Aïe aïe aïe. Casse les cornes. Ah, bien. Donc ouais, j'ai ça à finir. Puis après aussi, il faut que je finisse le jeu, enregistrer le jeu. Mais je l'ai pas fini, je dois être à la moitié, je crois. Ça m'a fait tellement plaisir de rejouer à Frank Mission. Oh, vous pouvez même pas imaginer. Vous pouvez même pas imaginer. Mission 3. Après, il y a le 4 et le 5 aussi que je devrais faire. Et après, il y a... Je sais pas si je l'ai dit déjà, il y a Devil May Cry 5 avec Virgil que je voudrais finir aussi. J'ai déjà fait DMC 5, l'histoire. C'était sur une autre plateforme de streaming à l'époque. Je crois bien. Donc là, j'ai envie de le refaire avec Virgil. Faut que je spamme plus mon anima dans le monde obscur, c'est abusé. Mon anima augmente trop vite en fait. Surtout quand l'arme elle est éveillée, c'est une catastrophe quoi. Enfin, c'est une catastrophe pour l'ennemi, on va dire.
Oh la vache. Ah, je me suis pas remis le régène, c'est pas grave, il est bientôt mort. Très bien. Donc ouais, il y a DMC. Et il y a Tarkov aussi, Escape from Tarkov. Il y a eu un nouveau wipe. Genre tous les... Enfin non, je vais pas dire tous les... C'est pas un fixe, c'est pas un délai fixe. Mais on va dire que une ou deux fois par an, ils font un wipe où ils remettent tous les comptes à zéro et tout ça. C'est super bien de faire ça, en fait, pour un jeu de ce type-là. Vraiment très très intéressant de faire ça. J'ai même dans l'espoir que quand le jeu sorte, il fasse peut-être pareil. Ou alors des événements reset ou un truc comme ça. Là, ils le font parce que le jeu, il est encore en bêta et tout. Mais ça aussi, et du coup, je me suis remis à Escape from Tarkov. Il y a des nouvelles extensions de map et tout. Vraiment, vraiment très très, très fun à jouer si vous aimez le type. Ce type de jeu. Merde, me vois pas. Non, c'est bon. On y va. À la recherche du Kodama perdu. Droite, je crois. Mouin. Ah merde, j'ai cru que c'était un endroit, mais non. Je sais plus où sont les Kodama ici. Je suis sûr que je suis passé à côté d'un. Bonjour. Est-ce que tu caches un Kodama? Non. Toi, tu caches un Kodama, non? Bon, on va te tuer. Allez! Je sais pas si l'autre il a suivi. Bien. Ta-ta-ta. Kodama là-haut. Bonjour. Ah, arrête. Vraiment pas poli, quoi. Vraiment pas poli. Donc il y a ça, donc ça fait déjà pas mal de boulot, enfin pas de boulot, ça fait pas mal d'heures on va dire à mettre déjà dedans. Je voudrais aussi, qu'est-ce que je voudrais faire? Je voudrais faire plus de Resident Evil Outbreak aussi, genre en difficile, très difficile. Il y a ça, je voudrais, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore à faire Project 05, je voudrais faire plus de run aussi, parce qu'on a d'autres difficultés qui ont été débloquées. On avait fait le premier pour Halloween. Halloween 2020, pour ceux qui regardent cette vidéo plus tard. Ah, donc ça aussi, j'ai envie. Il y a plein de petits trucs que j'ai envie de faire en ce moment. Même si... Comme je l'ai dit plusieurs fois, même si c'est pas des choses qui sont extrêmement demandées ou qui vont... Attends, on va d'abord boire. Ou qui vont être... qui vont avoir genre 10 000 vues comme... ou 100 000 vues, vu que j'ai des vidéos à 100 000 vues, mais... C'est pas des vieux trucs comme ça, quoi. Et merde! J'ai cru que c'était passé. C'est pas passé. Ah mais j'ai pas... Ah! Il m'absorbe mon anima, j'ai pas fait attention. Ah la putain. Tiens, j'arrive pas à lui casser le... Ok, très bien, très bien. Okay, c'est parti. Ah
Encore un petit peu pour l'anima. J'arrive pas, voilà. Ah le... Merde. Ça va, il est très très lent. Oh la vache. Il m'a tué. Attends, on va pas jouer avec le feu. Non, c'est pas ça. Mais merde, quelqu'un. Tiens, prends-toi ça. Putain. J'avoue, cette tempête là, de cette sorte de tempête d'épée là, avec le feu et le et la foudre mélangée, ça fait mal. Ça fait très 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 mal. Je pensais pas que ça faisait aussi mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Ah, niveau 76. Alors, on va peut-être arriver à un moment où on va commencer à devoir prendre plusieurs Kodama. Je sais pas si on va y arriver à ce moment-là, mais... Peut-être, hein, peut-être. C'est marrant, il m'a même pas vu. En fait. Mon dieu, là, dégage. Là, vous avez décidé de faire plein de dégâts en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Espérons que ce soit un bon noyau. Très bien. En espérant que ce soit un très très bon noyau. Donc ouais, Project Zero. Hein. Après il y a... Pendant cet Halloween, on a découvert plein de jeux qu'on pouvait refaire plusieurs fois. Genre Project Zero, Resident Evil Heartbreak... Genre à refaire, ou charge conscience, recharge d'anima, c'est pas mal, sauf qu'il me faudrait dégâts en fait. Ah putain, ça serait bien. Il faudrait dégâts du noyau, mais sinon le reste est vraiment vraiment top. Oh, vraiment parfait. Enfin bref. On a découvert plein de jeux qu'on pouvait refaire avec différentes difficultés et tout ça. Il y a Eternal Darkness aussi, on peut refaire avec une autre fin. Donc ça aussi, intéressant. Oh merde. C'est bon. Oh la vache, le relou. Un seul coup, ça. Ah mon dieu. Ah non. Ah tiens, mange. Aussi un truc bien, c'est vrai que en mode yokai là, je vais essayer de me transformer plus souvent et faire l'attaque,
le grab là en yokai, c'est quand même assez intéressant. Parce que c'est vrai que ça fait deux coups au lieu d'un. C'est vrai que c'est tout con, hein, mais bah des... Oui, ça fait déjà plus mal, mais ça a le potentiel de faire extrêmement beaucoup plus mal, parce que c'est deux coups, il faut compter deux coups. Et c'est vrai que sur le... à chaque fois, j'oublie un peu ce petit détail. Alors, niveau 7-7. Oh, c'est relou ici. Ah... C'est relou ici. Ah oui, je me rappelle, la dernière fois on était tombé en fait. On était tombé pour aller récupérer le Kodama. Je crois qu'on va faire pareil, parce que je sais pas vraiment où ils sont. Faudrait que je les apprenne ici. Faudrait vraiment que je les apprenne en fait. Un coffre vide. D'accord. C'est la première fois que je vois ça. Alors attends. Non. Où est-ce que... Là. Là. Ok, c'est bon, on y est. C'est parti. Bonjour. J'ai l'impression que j'étais à l'intérieur de lui. Elle est pas mal la caméra, non? Très bien. Très très bien. Let's go. Allez, on va le faire. Après, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est... On peut toujours invoquer quelqu'un. Hein. Ça. Merde, c'est pas ça. Désolé, c'était pas le bon. C'est parti. Après, je me dis que si par exemple on prend Eternal Darkness, c'est peut-être mieux en stream quand même. Je sais pas trop. Dégâts de mêlée, armes éveillées, défense. Je sais pas, mais j'ai envie de faire ça. Oh, et il y a aussi The Long Dark, la nouvelle saison, il faut que je la commence. Il faut que je la commence, comme ça je serai en avance. C'est parti. Oh mon dieu, non. Oh mon dieu, ça va être relou.
Arrête de te reculer, oh mon dieu. Oh la vache, t'es relou. Oh. Putain, et en plus, sa mère de ninjutsu là qui le protège tout le temps, ça c'est débile quoi. Tiens. Oh mon dieu, tu peux aller te faire foutre. Il va m'énerver. Tiens. Ah. Il est pas difficile pour moi. Il est ultra chiant pour moi. C'est pareil. C'est une des difficultés différentes, vous voyez. On le tue facilement, mais il est extrêmement chiant à tuer. C'est, voilà. Mon dieu. Mais après, quand il est ralenti et tout ça, honnêtement, c'est vraiment pas un problème. Vraiment pas un problème. On va refaire la même chose. Alors... Ah oui, c'est vrai que les chiens, ils ont un odorat, en fait. On va passer. Oh, merde. J'ai oublié l'archer. Hop. On va passer comme un bourrin. Ah merde, je me suis transformé en Oreo qui est trop tard. J'ai jamais fait gaffe qu'il y avait un coffre ici. Très bien. Oh la vache! Putain, il a trop aidé. Oh, c'est pas grave. Je m'en fous. Je vais pas redescendre pour monter. Vraiment pas envie. Vraiment, vraiment pas envie. Alors, hop. Ah, on va mettre un chat aussi. De me dire, est-ce qu'on se protège des éléments ou pas? Si on est super agressif, en théorie, on devrait pas avoir besoin. Ouais, on a déjà plus la confusion, ça va. Ah,
ça va. Dégâts. Je voulais un peu enchaîner vu qu'il était corrompu. Je me suis dit, tiens, on va faire du Gozuki à fond. Ça va faire plein de dégâts. Sauf que, ouais, des fois, la toupie là, quand il se réveille, ça fait un tout petit peu mal. Ouh, cool. Cool, cool, cool. Je me demande si, bon, j'imagine que oui, mais si cette salle, elle est augmentée en drop, genre est-ce que si on met plus de chance et tout ça, on en trouve plus ou pas. J'ai l'impression que c'est, il y en a toujours beaucoup en fait, tout simplement. Genre quand j'essaye de compter les oranges par exemple. C'est un peu des questions à la con que j'ai des fois, désolé. Moi, ce que j'aime bien, c'est genre munitions explosives, boulets de canon explosifs et tout ça. Moi, ça, par contre, ça me plaît, moi. Ça me... Limite, j'ai envie de dire, ça me plaît plus de voir ça que le reste. Il me reste les deux coffres, on est bon. Bienvenue à l'épisode, non, au niveau 79. Plus que 2 et on est bon. Je sais pas trop où je vais. À droite apparemment il devrait avoir un Kodama. Kodama ici. Bon bah. Ouais, pour soi. Allez, on zappe complètement. Parce que je me suis dit, on va peut-être combattre le menu Pepo et tout ça. Bah, non, même pas. Allez, on y va. En plus, on a un allié. Ça va. Ah, Yasuke. Ah, dégâts de capacité yokai. C'est pas mal ça. J'imagine que ça doit quand même faire mal hein, ça, au rang 30. Ça fait eau et feu quand même. T'es prêt Yosuke? On va peut-être taper un truc très fort. On va faire appel à un chat. Juste au cas où. Oh. Bon ça va là. Fais appel à ton esprit, Yosuke. Yeah, regarde-moi ça, il lui a détruit le ki aussi. Bien joué. Et il met des baffes à 2000, 3000 hein, quand même. Hein. Hey!
Je me demande si c'est moi ou lui les 6000. Il tape méga fort quand elle est à court de ki. Je peux pas avoir tout le temps Yasuke avec moi? Non? En aide? Moi je veux tout le temps avoir Yasuke avec moi. Tiens, ça me rappelle un truc. C'était Dynasty Warriors qui faisait ça. Je crois que c'était à partir du 4, peut-être. Vous pouviez avoir des gardes du corps et après ils montaient de niveau en fait. Oh mon dieu, t'es sérieux? Sans déconner? Bon bah ok. On pouvait... Ça fait deux fois de suite, hein. La première fois que je vois ça. On pouvait les monter de niveau, c'était cool. C'était plutôt cool. On pouvait leur donner des noms, choisir les armes qu'ils utilisaient, ils montaient de niveau et tout ça. Et je me suis dit, pourquoi on... Ce serait bien d'avoir un peu la même chose avec, avec Nioh. Genre un NPC spécial qui reste avec vous. Ou qu'on puisse faire appel à toujours au même NPC. Genre moi, je voudrais bien Yasuke avec moi, par exemple. Et après, il monte de niveau ou je sais pas quoi. Ce serait marrant. Je trouve que ça serait cool. Poum, poum, poum. Ah, très bien. Qu'est-ce qu'il y a encore là-bas? On a tout fait. Là, il reste plus que les coffres. Enfin, le reste des coffres. Ouais. Il y a au moins toujours un orange. Ouais, honnêtement, j'ai pas l'impression que... Que cette salle soit basée sur notre chance à nous. J'ai l'impression que c'est un... C'est un taux fixe, en fait. Pourquoi? Parce que... On n'a pas tout le temps de l'orange, en fait, dans nos coffres. Vu qu'on n'a pas mis... on n'a pas utilisé de coupe au choco, là. Et là, on a toujours de l'orange, en fait, dans les coffres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je crois que c'est un... Je dirais que c'est fixe. C'est pas par rapport à notre chance ou notre équipement ou quoi que ce soit. J'entends un chat. Ah bah voilà. J'ai pas rêvé. On va faire ça. Sûrement des gens qui vont me dire non mais tu sais que tu peux avoir tu peux mettre ça en raccourci. Tu peux avoir jusqu'à 4 palettes d'objets. Oui je sais. Ne vous inquiétez pas. Après 700 heures de jeu je sais. C'est juste que j'aime pas avoir plein de palettes en fait d'objets. Combien de fois je l'ai répété ça aussi? Eh merde. Putain, je sais pas ce que j'étais en train de cibler. On va spammer ça parce qu'il y a sûrement les autres derrière là. Voilà, très bien. J'ai vu pas mal de gens hein, lutter avec ça aussi. Genre les palettes d'objets, là, ils en avaient 4. ils essayaient de trouver les soins et tout. Ça me faisait marrer. Moi, je leur disais, oui, bah, mets moins de palettes. Comme ça, t'as moins besoin de switcher droite-gauche, droite-gauche, quoi. Ah ouais, pas bête. Eh bah oui, évidemment.
Yes! On a encore Yasuke, yes! Ça tue. Meilleur perso du monde. Yes! Let us begin. Yes, let us begin. T'aimes bien les chats, Yasuke? Est-ce que t'es plutôt chat ou plutôt chien? T'es une personne chat ou t'es une personne chien? Moi j'aime bien les chats. C'est qui? Oh, c'est elle. Les chats, ils lui ont mis des baffes, elle a plus de ki. What? Ouais, non, mais là c'est viol, là, par contre. Moi, ça. Entre les chats et moi et Yasuke, c'est bon, quoi. Bordel. Yeah, Yasuke, tu gères. Le meilleur. Tu es le meilleur. Allez, on va sortir. J'espère que aussi, ils auraient pu faire différents niveaux de paliers, genre entre 10 et 20. Il y a ce thème-là, entre 21 et 40, il y a ce thème-là. Genre par thème, genre le ciel devient de plus en plus sombre, ou des trucs comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Ça aurait pu être cool aussi. Ça aurait pu être vraiment, vraiment cool. Oh! On va le garder. On va regarder, comme d'habitude, on regarde vite fait ce qu'on a. Alors, attendez. Bon, il y a ça. Vitesse ration de son qui. On va regarder vite fait ce qu'on a récupéré et après on zappe. Et après, enfin, on arrête l'épisode. Alors, dis-moi. On a du 53, 52 et tout ça. Donc, ça c'est bien. Je vais peut-être pouvoir augmenter les objets vite fait. Dégâts de coups de grâce. Il y a Amaterasu dessus, c'est pas intéressant. Ouais. Ton face 7ème ciel. 7ème épée, pardon. 7ème ciel. Ouais, on a eu beaucoup de fusils. Pas de... Ouais, non, pas grand-chose sinon, pour le moment en tout cas. Mouais. Bon, après, quand on arrivera à notre équipement, ce sera peut-être plus intéressant. Senmei plus. Est-ce que Senmei plus, on en a besoin? Non. En plus, il n'y a même pas de transférable. Justice, Yoshitsune. Ah, munitions illimitées 5%. Là, ce qui est prolongé, dégâts de compétences, réduction de ki en esquive. C'est pas mal ça. On va le garder. Enfin, les stats dessus, tout ça, elles sont pas mal. C'est pour ça que. Pourquoi pas le garder si jamais je veux utiliser ça? Parce qu'il y a de dégâts de. Accumulation d'empoisonnés. Empoisonnement. Il y a dégâts d'arc et tout ça, donc peut-être que si je veux faire un archer avec les flèches explosives. J'ai toujours pas testé les flèches explosives, faut que je teste après. J'ai toujours pas testé. Genre, est-ce que les dégâts sont bons? Est-ce que ça fait tomber les cibles directement? Est-ce que ça fout le feu directement? Parce que si ça fout le feu directement, honnêtement, c'est pas mal. Vraiment pas mal.
Allez, ça y est, on commence. Alors. C'est nul. C'est nul. Bon, là, on peut le changer l'arme de G. Oui, on va le garder. Et ben là aussi. Voilà, super. Résistance paralysie. C'est intéressant. Je savais pas qu'on pouvait avoir ça aussi. Quoi, non, si, j'avais vu poison. Donc oui, c'est normal qu'on ait ça. Charge consciente. Ouais. À la limite, je préférerais charge consciente que auto-restauration dessus. À la limite. Vraiment à la limite. Dégâts d'armes élémentaires. Non. Il n'y a rien d'autre, putain. Dégâts de mêlée, puissance ninja dessus. Bon, bah, c'est tout. Super. Nous, on avait plus 7 de résistance paralysie. Là, il y a 17. D'accord, ok. Donc, on a vraiment un rôle de merde sur l'autre équipement. Fou, là, c'est pas mal, ça. Dégâts subis, armes élémentaires, charge consciente, cloche d'appel, argile. Par contre, ce qui est embêtant, c'est dégâts d'armes élémentaires et la charge consciente. Les deux vont pas ensemble, en fait. Donc, ça, c'est con, hein. C'est vraiment con. Dégâts subis. Ça, je voudrais bien savoir si c'est vraiment utile. Ce totem est réutilisé lorsque vous priez à un sanctuaire, mourrez ou quittez une mission. Augmente les dégâts selon la quantité de dégâts subis lors d'une mission. Ah, le casque. Alors. Eh ben voilà, c'est bien. C'est cool, c'est de la merde. Alors l'éventail, fait voir. Dégâts de mêlée à court de qui? Non, c'est pas intéressant. Ça. Dégâts de compétences, mêlée à court de qui et annulation prolongée. Oui, c'est pas mal, les trois. Autorestauration, vitesse d'action, dégâts de... Oui, c'est pas mal. Dégâts de mêlée, frappe ninjutsu, bonus de statut étendu. Ouais, les trois boucliers sont pas mal. Bon, bah voilà. Et les trois boucliers sont pas mal. Après, le reste, c'était un peu de la merde. Bon. Ça sera tout pour ce petit épisode. Nous, on continuera la prochaine fois. Donc, 80. Donc, 81 jusqu'à 90. On y arrive. On est bientôt à la fin. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Ciao, ciao.